كل <applause> نفس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكه المقربين على سيدنا محمد اشرف المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وانا نعوذ بك من حال اهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الاخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت يا حي يا قيوم تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام آمين أما بعد الله تبارك وتعالى جن القرآن أنغي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان C'est-à-dire, entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. Donc, on met l'intention, Inch'Allah ta'ala, de s'entraider pour la piété, que le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Et certes, la condition pour être pieux, c'est d'apprendre la science de la religion et d'appliquer ce qu'on a appris, accomplir les obligations, éviter les interdits, et on fait en cela une bonne intention, par recherche, l'agrément de Allah, en application de la parole du prophète sallallahu alayhi wasallam, amalu wa sallam innama al-a'malu bin wa innama li kulli mri'im manawa Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran innaka mayyitun wa innahum dire certes Mohamed tu es mortel, tu vas mourir et certes eux également ils vont mourir, que la personne elle choisissent d'adorer Allah, Azzawajal, ou qu'elle choisit de se détourner de l'adoration de Allah. Dans tous les cas, que ce soit les gens qui appellent l'islam ou les gens qui refusent l'islam, tout le monde y va mourir, et tout le monde y va retourner au jugement de Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que Dieu ne nous a pas créés pour rien, mais il nous a créés afin de nous ordonner de l'adorer, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith sahih min Il n'y a pas l'un d'entre vous sans qu'au jour dernier, Dieu lui parlera. Il n'y aura pas entre lui et Dieu quelqu'un qui va traduire la parole de Allah, qui va faire l'interprète. d'accord Ça veut dire que Dieu est dans un endroit, mais ça veut dire que la personne qui va servir d'intermédiaire tout comme dans le bas-monde, quelqu'un nous servait d'intermédiaire. Allah, il a envoyé l'ange d'Ibril pour transmettre la révélation au prophète. Et également, il a fait descendre des livres révélés dans le bas-monde pour que nous, les humains, on puisse comprendre la parole d'Allah. Parce que dans le bas-monde, nous, on n'entend pas la parole d'Allah. Mais dans l'au-delà, on rendra des comptes et nos actes seront exposés et on sera interrogé par le Seigneur des mondes par sa parole qui n'y ni un son, ni des lettres, ni une langue, qui ne ressemble pas à notre parole à nous, par une parole qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui est unique, qui n'est pas composée de mots, ni de lettres, ni de segments, qui n'a pas de commencement, ni de fin, qui est la parole de Allah Ta'ala, qui ne ressemble pas à la parole des créatures. Comme il a dit le grand imam Abu Hanifa, Et Allah Ta'ala parle pas comme nous nous parlons. Nous, on parle avec des sons, avec des organes, une bouche, de l'air qui traverse notre gorge, des points de prononciation, et Allah Ta'ala, il parle sans que ce soit à partir de points de sortie de lettres, sans que ce soit à partir d'une gorge, d'une langue, ou d'un son, et des lettres, ou un déplacement de l'air. à dire que c'est que le terme qui est le même. On dit « kalam Allah », la parole, et nous aussi on dit qu'on a un « kalam », une parole. C'est juste le terme qui est le même. Le mot il est identique, mais la signification elle est différente. C'est pour ça que les savants du tawhid ils disent al Ça veut dire il y a une convergence dans les termes, le terme employé est le même pour Allah et pour la créature dans certains sujets, mais il y a une divergence dans la signification. C'est-à-dire que c'est pas le même sens quand tu parles de Allah ou quand tu parles de ses créatures. Pour les créatures, il y a un sens qui est digne des créatures de Allah. Et pour le créateur Subhana wa ta'ala, il y a un sens qui est digne de Allah Azza wa jall. wa ta'ala dit dans le Coran honoré "Thumma ruddu ila Allahimaulahumul haqq. Alalahul hukmu wa asraul hasibin." Comme on avait cité cette ayah dans le cours dernier et on n'avait pas expliqué jusqu'à la fin de la ayah. "Thumma ruddu ila puis les gens ils seront renvoyés au jugement de Allah dans l'au-delà. Cette ayah à la base elle parle également des non-musulmans qui ont refusé de croire à l'au-delà et à la résurrection. Et ils seront renvoyés à Allah, au jugement de Allah, lui qui est leur maître et qui est l'haqq, celui dont l'existence n'a pas de doute, celui qui est sans aucun doute. Dieu est vivant et Dieu existe. Subhanahu wa ta'ala. haqq. Et certes, c'est lui qui va juger au jour dernier Allah Il a le jugement. Hukmullah, ça veut dire aussi la parole de Allah. Et Dieu, il est celui qui va faire l'exposition des actes à ses créatures le plus rapidement. Comme on a vu dans le cours dernier, en seulement une heure de temps, l'ensemble de tous les humains et de tous les djinns seront interrogés, et tous en même temps par une seule et même parole, qui est la parole de Allah. Et ça, c'est totalement impossible. Si la parole de Allah était un son, des lettres et une langue, ce serait impossible que cela ait lieu. Comment tu peux parler à des milliards de personnes en même temps, avec une voix, un son et des lettres et une langue, sachant qu'ils ont tous des langues différentes, avec la, la, la divergence des peuples quand ils étaient sur Terre, parce que c depuis Adam jusqu'à la fin du monde, et tous les djinns aussi. Et que les prophètes, ils vont comprendre de la parole de Allah, l'éloge et. La gratification, que les musulmans pieux, ils vont comprendre un interrogatoire qui va les rendre heureux. Les musulmans grands pécheurs, ils vont être peut-être tristes de certaines choses qu'ils vont reconnaître de leurs torts, etc. Et les non-musulmans, ils vont être totalement effrayés et châtiés parce vont entendre par de ce qu'ils vont entendre de la parole d'Allah Ta'ala, ce qu'ils vont entendre de la parole d'Allah Azza wa jal. Et tout ça, ça va se passer en même temps. Et par sa parole, Allah Ta'ala, il ordonne, il interdit, il promet. Il informe Et tout ça par une seule et même parole. Par une parole qui est unique. Et ça, c'est impossible à la base. Habituellement, une parole qui est des sons et des lettres, comment tu peux en même temps promettre, en donner, interdire, etc. Et tout ça, ça prouve que la parole de Allah Ta'ala, comme ils ont dit tous les savants de ar Jamara, c'est ni un son, ni des lettres, ni une langue. Les ou la Santan ou la Loura. Et preuve en est, en plus de cela, de ce qu'ils ont mentionné, les savants, également sunnite, c'est que cette ayah, wa huwa asrarul khasibin, la fin de la ayah, que Dieu est celui qui verra faire le rendement des comptes le plus rapidement, et ben, ça prouve que la parole de Allah, elle est pas comme notre parole à nous. Parce que si toi, tu devais interroger quelqu'un, qu'est-ce qu'il a fait durant toutes ces journées, depuis le soubor jusqu'au risha, ça te prendrait des heures et des heures et des heures pour qu'il te raconte tout ce qu'il a fait, ou que tu l'interroges, pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as fait ça, nest ce pas que je t'ai accordé telle et telle chose, etc. Parmi les premières choses sur lesquelles la personne sera interrogée, au jour dernier, c'est, Alam Asir badanak, Alam Orteka, Minalma El Barid. Parmi les toutes premières questions qu'Allah Ta'ala, pose au jour dernier, c'est, ne n'ai-je pas accordé la santé à ton corps? Ne t'ai-je pas accordé l'eau fraîche? N'est-ce pas qu'une fois le prophète, est avec ses compagnons, il a visité un des compagnons, et le compagnon, il a ramené de l'eau fraîche? Et le prophète, il l'a bu, et il a dit, et ça, c'est parmi les bienfaits sur lesquels vous serez interrogé au jour dernier. Même les choses si simples que ça, tu seras interrogé dessus. Donc imagine le temps que ça prendrait si la parole de Allah, elle serait un son et des lettres. Et ça voudrait dire que chacun, chaque être humain, chaque djinn, il devrait attendre son tour pour être interrogé. Parce que je peux pas interroger deux personnes en même temps, trois personnes en même temps, si ta parole c'est un son, des lettres et une langue. Ça voudrait dire que le jour dernier à lui seul, simplement l'interrogatoire qui dure environ que simplement une heure de temps sur cinquante mille années, Dieu il a dit dans le Coran, « Dans un jour dont sa proportion, sa durée, durera cinquante mille années. » Il y a cinquante stations au jour dernier qu'on appelle « ralansat Yom Al-Qiyam les stations du jour dernier. Et chaque station, chaque épisode du jour dernier, il dure, et chaque événement du jour dernier, il dure mille ans. Mais pour la personne qui sera pieuse, ce sera comme le temps d'une prière obligatoire, comme le temps que tu es dans le raseur, le crâne se couche, il y a quelque chose qui est peu. Ça paraîtra court pour les gens qui sont vertueux, pour les prophètes et les saints, etc. Mais les gens qui sont pas vertueux, ça va paraître long, très long pour eux. 50 000 années des jours qu'on compte actuellement dans le bas monde. Et l'interrogatoire, il va pas durer 50 000 ans, il va durer environ qu'une heure sur 50 000 années. C'est très 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 court. Et tout le monde sera interrogé en même temps. Les humains et les djinns et les prophètes, tout le monde en même temps. Parmi les créatures responsables qui seront interrogées par les anges, mais les prophètes, leur interrogatoire, il sera pour les honorer, pour montrer qu'ils ont accompli leur mission de prophète, qu'ils se sont acquittés de la charge qui leur a été confiée, de leur amana, et le reste de la création, les humains et les djinns, ils seront interrogés en fonction de leur état, soit dans le sens du blâme, soit dans le sens de l'éloge, soit dans le sens de la récompense, soit dans le sens du châtiment. Et après, il y aura d'autres choses. Et donc, si chacun devait être interrogé par une parole qui est des sons, des lettres et une langue, bah, chacun devrait attendre son tour en attendant que ça termine avec Iblis, avec Adam, avec je sais pas qui, etc. Ça prendrait des milliards et des milliards d'années, parce qu'il y a eu des milliards et des milliards d'êtres humains et de djinns aussi, parce qu'il y a beaucoup de djinns aussi. Et donc, eh ben, Dieu il serait celui qui mettrait le plus de temps, soi-disant, à faire le rendement des comptes. Et Dieu n'est pas soumis au temps, bien sûr. Mais c'est-à-dire que le rendement des comptes que Dieu créera pour la personne, il sera très très court. wa huwa asla » C'est Dieu qui va juger au jour dernier qui a le et il est celui qui fera le rendement des comptes le plus rapide. Et ça, ce n'est concevable et imaginable que si la parole de Allah Tara, là, elle n'est pas contre parole à nous. Si la parole de Dieu était contre parole à nous, alors le rendement des comptes des gens durerait des années et des années et des années, juste pour une personne. Juste pour une personne. Iblis, qui est parmi les premières créatures que Allah, Tara, là, a créées parmi les êtres vivants, qui a vécu peut-être cent mille ans, parce qu'elle existait avant que l'être humain aille sur terre, elle existait avant Adam. Allez, salam. Iblis, à ton combien elle a fait d'œuvres dans sa vie? Rien que son interrogatoire à lui, ça a duré des années et des années et des années, des siècles peut-être. Et donc tout le monde y va attendre que son interrogatoire soit terminé pour être interrogé, et après la personne suivante, et après la personne suivante jusqu'à la dernière personne qui existait sur terre. Ben, dans ce cas-là, ce serait pas le plus rapide dans l'exposition des actes. Et Dieu l'est pas soumis autant, bien sûr. Mais le jour dernier, les 50 000 années du jour dernier, ils seraient tous utilisés juste pour interroger peut-être deux ou trois personnes. Donc ça c'est parmi les preuves les plus évidentes de ar wal-Jamara qui prouve que la parole de Allah Ta'ala n'est pas un son ni des langues ni une, langue, une lettres. Donc « mémorisez ayat du Qur'an »« ruddu ila hukmu wa huwa Donc il faut qu'on se prépare nous, qu'on se rende à nous-mêmes les comptes, qu'on se pose les questions « qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ?» De bien, qu'est-ce qu'on a manqué, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on pourrait arranger pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui et pour que après-demain soit meilleur que demain. On se rend des comptes à nous-mêmes le soir avant de dormir. Est-ce que j'ai fait des péchés? J'en fais le repentir. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Je ferai mieux demain. Et bien sûr, le repentir, comme on a vu dans le cours dernier, c'est un devoir de le faire immédiatement. Mais si quelqu'un, il a négligé cela, alors avant de dormir, se pose des questions et se rend des comptes. Comme l'a dit le roman de l'Hantop, le grand compagnon du prophète, Zinu Arma lakum kobla zanar Pesez vos actes avant qu'elles vous soient pesées au jour dernier. La personne qui se rendait compte tous les jours à lui-même, eh bien, son rendement des comptes au jour dernier il sera plus facile parce que tous les jours il se prépare. Mais celui qui est négligent jusqu'à sa mort et qui est surpris par l'ange Razra'il, qui est parmi les meilleurs anges que Allah écrit, quand il prendra son âme, ben là, il sera trop tard, il ne pourra pas repousser son heure. Comme on a vu dans le cours dernier, la Yastar Hiruna, Saratamouala yasta nous a rappelé que la personne ne pourra pas retarder, ne serait-ce que d'une heure. Alors en arabe, Sara, ça veut pas dire une heure forcément 60 minutes. Sarah ça veut dire, et Saratum c'est une part, une proportion de temps. Ça peut être une heure ou moins ou plus, mais un laps de temps. La personne ne pourra pas retarder sa mort d'un laps de temps. Dire attends, attends, ne prends pas mon âme maintenant. Et elle ne pourra pas l'avancer non plus. Tu mourras à l'heure que Dieu t'a prédestiné, à l'heure que Allah Azawajal t'a prédestiné, sous wa La personne allait éprouver par la mort pour elle-même, mais elle est aussi éprouvée par les morts dans sa famille. Il faut qu'on se prépare aussi à la mort de nos êtres chers. Peut-être ton cher est ton enfant y mourra peut-être avant toi ou toi tu mourras avant lui, ou tes grands-parents, ou tes parents, tout ça, ça est partie de l'islam parmi les choses que le prophète nous enseignait de patienter dans les épreuves dans l'épreuve de la mort. C'est en effet rapporté de Abu Hurayra, radi Allah anhu, que le messager de Allah, Sallallahu alayhi wa sallam, a dit "Ma Bala al-bala'u bil mu'min wal fi nafsihi wa waladi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alayhi khatia." C'est un hadith rapporté par At-Tirmidhi et Al-Albani dit que un hadith hasanun sahih. La personne musulmane croyante, homme et la femme qui est croyante également, elle ne cesse d'être éprouvée en elle-même, dans ses enfants et dans les biens qu'elle possède jusqu'à que la mort lui vienne. En arabe, la mort... On l'appelle la rencontre de Dieu. Quand tu rencontres Allah, ça ne veut pas dire que Dieu est quelque part et tu vas bien le rencontrer, Lirqa Allah. Mais ça veut dire quand l'ange il sur ordre de Allah, il va venir te rencontrer pour prendre ton âme, Lirqa Allah. Et vu, si quelqu'un n'apprend pas la religion et même s'il est arabophone, il risque de mal comprendre la religion. Tout comme également le rendement des actes au jour dernier, l'exposition des actes, comment on l'appelle, Al Bayna quand tu seras entre les mains de Allah. Ça veut pas dire que la personne elle sera devant Dieu entre ses mains. Non, ça veut dire que ton sort, il sera sous la volonté de Allah. Quand tu dis, je suis entre les mains du juge, ma condamnation ou mon relâchement, c'est mon sort, il est entre les mains du juge. C'est lui qui va décider. Je parle dans le bas monde, au tribunal par exemple. Ça ne veut pas dire que tu vas être entre ses mains comme ça. Ça veut dire que c'est lui qui va faire ce qu'il veut de ton sort. C'est lui qui va décréter est-ce que tu seras condamné ou pas, ou relâché, si quelqu'un a fait un, un délit, par exemple. et ben, au jour dernier, quand on sera interrogé par Allah, sans que Dieu, il soit en face de nous. Sans que Dieu, il soit partout, ou quelque part. Sans que Dieu, il soit assis sur le trône. Sans qu'il soit dans une direction, ou dans une distance. et ben, on appelle ça, al-wurkufu, baina, yadayillah. La station entre les mains de Dieu. Ça veut dire que on sera debout au jour dernier et on sera sous la volonté d'Allah. Il n'y a que Dieu qui nous jugera. Et on aura sa parole sans voir quelqu'un, sans entendre un son, sans qu'il y ait quelque chose qui prenne place dans nos oreilles. C'est ça. al baina C'est clair. Donc la mort, on dit liqa' Allah. La rencontre de Dieu en arabe, bon, en français ça se dit pas, mais en arabe ça se dit. Mais c'est pas dans le sens que Dieu va nous rencontrer. C'est l'ange sur ordre de Allah qui va nous rencontrer. Et la personne, si elle était vertueuse, quand elle va mourir, elle sera contente de mourir. Et elle voudra ne plus rester dans le bas monde. Elle prophète à Islam dit il n'y a aucun musulman qui, lorsqu'il meurt, il voudrait retourner dans le bas monde tellement il est heureux après sa mort. Pour rien au monde, il voudra retourner dans le bas monde. Il a dit :« Il shahid. » Et Il a le martyr de guerre. Il espérait revenir dans le bas monde pour être retué une deuxième fois dans la bataille après revenir comme ça. Mais en folle shahada. En raison de ce qu'il voit comme mérite de shahada. Mais les saints, les gens vertueux, ils ne veulent plus revenir dans le bas monde. Ça y est, la demeure, la difficulté elle a refermé ses portes pour eux, et ils sont tellement dans un bienfait, que ça, et maintenant ils sont dans le delà. Et le non-musulman, lui, il voudra retourner dans le bas monde, pour rattraper ses erreurs, pour re, pour entrer en islam, et faire des bonnes actions, mais ce sera trop tard, il pourra pas retourner dans le bas monde. Ni les prophètes, ni les saints ne retourneront dans le bas monde, et de toute façon, ils veulent pas retourner dans le bas monde. Et, ni les non-musulmans retourneront dans le bas monde, même si eux, ils espèrent de toute leur force, retourner dans le bas monde. Lao karra, comme ça rapporte encore dans cette al quand les non-musulmans seront en enfer, ils diront Lao karra. Si seulement on avait un retour, il y a un retour dans le bas monde, et qu'on pourrait faire des bonnes actions, mais ça ne sera pas accordé. Et Dieu nous a fait savoir qu'il serait prêt à tout donner pour retourner dans le bas monde. À tout donner pour retourner dans le bas monde. Mais ils ne retourneront pas dans le bas monde. Ils avaient eu l'occasion de faire des bonnes actions, d'entrer en islam, d'adorer Allah dans le bas monde. Pourquoi ils l'ont pas fait Ils ont manqué. Et Allah taala, il a dit dans le hadith aussi, il a dit, enfin, ça c'est rapporté que le mécréant, Dieu lui dira dans le sens Est-ce que tu serais prêt à donner tout le bas monde pour être préservé du châtiment Tout ce que tu possèdes, tout le bas monde pour être préservé du châtiment et la personne elle dira oui. Et Dieu il, il, il dira Ça veut dire mais j'avais pourtant demandé ce qui est plus facile que cela. Simplement de croire en moi et de ne pas adorer autre que moi. Mais tu as refusé sauf de faire le shirk. D'adorer autre que moi. C'est-à-dire, jour dernier, ils sont prêts à donner tout leur bien, tout le bas monde pour être préservés du châtiment. Même dans le coran, Dieu l'a dit dans le sens que la personne, elle serait prête, non musulmane sera prête à donner tout le bas monde et tout ce qui contient pour être préservé du châtiment, et malgré ça, il sera pas préservé du châtiment. Ce qu'on refuse de croire, en Allah Azawajal, que Dieu nous en préserve, Amin. Et Dieu il a dit, abayta il shirk ». J'avais demandé quelque chose qui est très facile. Juste de croire à Allah, de rien lui associer, de dire, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et Mohammed est le messager de Allah. Mais tu as refusé, sauf de faire la mécrance. Et il est mort sur cela. Je lui ai dit, Puis ils sont décédés, et ils étaient autres que croyants, et ben Dieu ne leur pardonnera pas. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم <applause>